Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital. En ce début mai, c'est le moment ou jamais, qu'on se le dise, pour se lancer dans le grand chantier du nettoyage de printemps dans sa maison. Bricolage, rangement ou bien encore jardinage. En France, le marché représente au total 25 milliards d'euros et le pic d'activité, c'est en ce moment même. Nous avons donc enquêté auprès des plus grandes marques et enseignes. Grand nettoyage de printemps, équiper et rénover sa maison, c'est le thème de Capital ce soir. On ouvre. Daco, un des plus gros fabricants locaux. Certains salariés y parlent couramment le français. C'est Daco, bonjour. Carolina Cazor est chargée des ventes à l'étranger, qui représentent 50% de la production. Oui, on exporte dans toute l'Europe, Allemagne, Autriche, Italie, France, Belgique, Espagne. Leur point fort, c'est évidemment leur coût de production. Chaque jour, 1000 fenêtres sortent de cette usine. Elles sont fabriquées comme en France. Les matières premières sont les mêmes, de grandes barres de PVC et des doubles vitrages du même fournisseur que l'usine française. Voilà, ce sont les vitrages que nous installons dans les fenêtres. Voilà les vitrages Saint-Gobain. Ce n'est donc pas là-dessus que les Polonais tirent leur épingle du jeu. Fabriquer une fenêtre nécessite aussi de la main-d'œuvre. Cela compte pour environ 15% du prix en Pologne. Et ici, ils ont l'avantage d'un salaire beaucoup plus faible. C'est vrai que notre coût de travail est moins élevé qu'en France. Le SMIC en Pologne, c'est environ 400 euros. La main-d'œuvre coûte moitié moins cher. Du coup, ils peuvent se permettre d'intégrer des options supplémentaires. Si en France, chaque option est payante, ici, elles sont pour la plupart comprises dans le prix de base. Exemple avec cette petite pièce que l'on appelle l'oscillobattant. L'oscillobattant est d'office. Tous les éléments de quincaillerie chez nous, qui en France sont option, en Pologne c'est en standard. Faire des produits standardisés au maximum permet d'optimiser la cadence de production. Résultat, à option équivalente, entre une fenêtre produite en Pologne et une fenêtre produite en France, le coût est 40% moins important. Ce qui permet à Carolina d'envoyer pour le marché français au minimum 2 camions par semaine. Aujourd'hui, on estime qu'une fenêtre sur 10 posée dans l'Hexagone viendrait de Pologne.